génération Android. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous on en a marre de ton téléphone. De Alger à Durban, en passant par la Zambie, tous nos yeux sont posés sur des écrans avançant comme des zombies. Toute occasion est belle pour se prendre en selfie. Un bal, un mariage, bah, même un incendie. Large sourire à la caméra, grosse larme dans la vraie vie. Des milliers de followers sur Instagram et pourtant on n'a aucun ami. Avant les enfants voulaient soit d'un petit chien, soit d'une chatte. Aujourd'hui ils veulent eux-mêmes être des petits chiens sur Snapchat. Si vous savez où va les mondes, dites-le moi, sérieux. Internet est en train de nous piéger dans une mondiale toile d'araignée. Une génération des muets, je pense que c'est pour bientôt. Déjà qu'on ne se parle plus entre nous que par texto. Tu sais, des fois je me demande dans quel monde vit-on. Où Jésus est sûrement des t-shirts que Louis Vuitton. Où les petites filles ne veulent plus ni des poupées ni des dessins animés. Bah normal, il paraît que Cendrillon elle-même est occupée à chatter. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous on en a marre de ton téléphone. Avant les gens avaient des rêves, des idéaux. Aujourd'hui ils mènent leur vie comme dans un jeu vidéo. À l'église, peu importe le serment du pasteur, ils gardent leur cœur fermé et leur portable ouvert. Réseaux sociaux sous le drap, à l'école, même à table, les seuls avertissements qu'ils prennent au sérieux, c'est le bip qui signale batterie faible. Toujours là à cliquer, à commenter, tu sais, à force de vouloir être au courant, tu risques de finir électrocuté. Avant, c'est les anciens qui s'occupaient de l'éducation sexuelle de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est Hollywood et les télénovelas. Conséquence, les petites filles qui têtent encore ne veulent plus jouer avec des oursons en peluche. Mais déjà très tôt, elles préfèrent jouer avec des garçons un peu louches. Des jeunes hommes en taille basse, des filles en jupe qui dépassent à peine le cuisse. Des phénomènes faux ongles, faux cheveux, il y en a même qui sont noirs aux pieds et au visage métis. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous on en a marre